Salut, je vais montrer le bug qu'il y a dans l'affichage du tracking. Donc là, j'ai fait plusieurs trackings depuis hier. Donc on voit qu'ils sont affichés ici. Alors il y a Adfly, FR, Mob, question, FR, Win. Voilà. Donc là, on a la liste. Toute balise, c'est pour la liste normale. Et j'en ai deux autres trackings. Donc c'est surtout c'est la navigation en bas qui est cassée quand on sélectionne. Donc en fait, ça sert à rien de choisir les balises parce qu'on choisit par exemple voilà, celui-là. On voit qu'il y a deux pages. Celui-là, j'ai six pages. Mais si je veux voir la suite 2, je clique 2, par exemple, hop, ça revient à l'affichage de tous. Il y a Mob. En fait, ça revient à l'affichage normal, comme si ici on avait mis toute balise. Alors qu'il y a toujours le tag. Voilà. Si on va 3, on voit qu'il y a, voilà, il y a tous les contacts. Donc c'est pas bon. Et après, donc voilà, on revient à toute balise, on a l'affichage normal. Il y a aussi un autre problème. Par exemple, alors je sais plus à quel c'est. Par exemple, je prends ce tag là, Direct Live 10 10 18. Je clique dessus. Donc j'ai trois pages. Bien sûr, ça va pas marcher si je clique 2 et 3, ça va revenir l'ancien. Mais on voit que j'ai celui-là, le 3 septembre 2018. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Il n'a pas de tag et c'était avant qu'il ait les tags et il est affiché quand même dans la liste. Donc j'imagine que s'il y a celui-là, il y en aura d'autres. Enfin, le système n'est pas vraiment carré là pour ça. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout au niveau des problèmes. Là, de l'autre côté, pour l'instant, j'ai pas de tag dans les ventes, donc j'ai pas regardé, mais ça doit être le même problème. Voilà, c'est fini pour ce live. C'était court, c'était juste pour expliquer ça. Bye bye.